Dad, have you got my laptop? Yeah. Yes, it's right here. Very good. Merci. Merci bien. Thank you. Be tough. I mean, it's been surprising. I mean, we are so thankful for all the work that has been done by the people on the ground and the people themselves, that they came out in such large numbers and peaceful. So they know they can do it. Nous allons devant Hotel Montana. Quatre coups de pays appellent bloquer Hotel Montana pour avoir nos résultats d'élection à Kounia. Là. Well, I think it would be good because I think the Haitian people came out in mass to vote, and they have shown their desire to have a legitimate government. And I think it would be good whoever is going to win, if there is a winner in the first round. Une autre partie de ces résultats. Naturellement, en première position, quand la tendance est maintenue, c'est le candidat René Préval de l'Espoir qui a 49,61%. Et il fait 726,257 votes sur les 1,5 million de voix que nous avons mentionné tout à l'heure. En deuxième position, c'est M. Maniga Leslie François de RDNP. Il a recueilli 169 472 voix, ce qui représente seulement 11% de 11,58% de voix. On a pris 5 questions. Moi, c'est Pierre-Louis Jean-Aubert, je travaille pour Radio-Télé-Guinée. Pour ça, M. Jacques Bernard. Et ça, ce sont des élections valables. Je crois que le peuple haïtien a un exemple de démocratie, un exemple de fraternité et de solidarité citoyenne et haïtienne. Donc, s'il vous plaît, pas détruire le bel travail qui finit fait là en utilisant des mots qui ont porté mon accord, que bien bah, qui a passé, qui effectivement pas passé.